Wesh. M'entendez bien? Attendez, je lance le jeu sur le côté. Yo tout le monde. Bon, attends, parce que là c'est bon, frère. Hop. Voilà. Ok, super. Merci Nani, merci pour ton 17e mois. Hello, hello, guys. Attendez, je lance le jeu sur le texte. Je suis pas toute seule parce que je flippe. Dis coucou. Vous l'avez entendu? Pas toute seule, hein, parce que j'ai peur. Hop, normalement là c'est bon. Alors, attendez. Voilà, je pense que le son va fort. Dites-moi si le son va trop fort ou pas, ou je sais pas, le son du jeu, hein. Voilà. Là, vous entendez un son du jeu? Et pas moi. Je fais. Là, vous entendez rien, je suppose. ça va, et vous? Ouais, vous entendez rien, c'est normal alors. Il n'y a pas vraiment de son là. Le son, c'est bien. Attends, si je rentre là, dites-moi. Dites-moi là si vous entendez plus le jeu que moi ou si c'est bon. Ou si c'est assez fort pour vous. Ça va et toi, Pat? Vous entendez bien le jeu là? Là, je monte. Dites-moi quand c'est bon, hein. Attendez, là, j'ai monté fort. Vous entendez bien? Encore un peu? Oui, il y aura une rediff, Pat. Ça va, là, le son? Ok, je touche plus. Ok, parfait. Natou, écoute un coup sur ton truc, voir comment on m'entend par rapport au... Bon, attendez, attendez, je me surpose, je suis pas prête à jouer tout de suite, là. Ok. Ok, ça va, bon, ben, on va se retrouver, comme d'hab, on va faire deux chapitres. De toute façon, je crois qu'il nous en reste que quatre. Comment ça se fait qu'il y a un grésillement? Il y a un grésillement? Attends. C'est qu'il y a un grésillement. Mais ouais, mais tu sais que ça fait ça depuis tout à l'heure avec la plaie, je sais pas pourquoi. Il y a un grésillement. Mais si ça vient du jeu. Je sais pas pourquoi ça fait ça depuis tout à l'heure. Aïna Dalare, et toi? Attends, parce qu'attends, quand je parle. Mais tu sais que ça fait ça depuis tout à l'heure avec la plaie. Je sais pas pourquoi. Il y a un grésillement. Mais si ça vient du jeu. Non, là, ça va pas le faire, hein, par contre. Bisous, tu sais pas pourquoi bisous, ça fait ça Pat. depuis tout à l'heure. Aïna Dalare, et toi? Attends, parce qu'attends, quand je parle. Mais tu sais que ça fait ça depuis tout à l'heure avec la plaie. Je sais pas pourquoi ça grésille en fait. Déjà tout à l'heure, quand j'ai lancé, ça faisait ça, quand j'ai fait mes mises à jour et tout. Et je sais pas pourquoi ça a continué de grésiller. Oui, c'est bon quand je parle, mais quand je joue en fait, c'est le son du jeu qui fait ça. Ouais, c'est le jeu, mais je sais pas pourquoi. Ah, c'est chiant, ça va m'énerver ça. Ça va, fou, ça va. Non, reste écouté et dis-moi quand je joue si ça fait encore. C'est le jeu, je crois. Coucou Thelma, comment tu vas? Regarde dans les paramètres. Mais j'ai regardé, mais je crois que ça vient de mon HDS, je sais pas quoi. Merci Ethan pour le troisième mois. T'avais déjà pas pris trois mois la dernière fois en niveau 3? Merci. Là ça grésille. Regarde, je reprends le jeu. Dis-moi, ça grésille normalement. Sam. Là, tu vois, ça grésille normalement. C'est le jeu qui fait grésiller. Merci Angel. Ouais, ça.
Hola Jack. Je sais pas, c'est le jeu qui grésille en fait. Mais ouais, mais je sais pas. Me dis pas que c'est ma PlayStation, hein. Je sais pas quoi faire en fait. Ouais, moi ça me dérange, ça grésille. Bah, il y a un son qui grésille quand je lance mon jeu. Ok, on se bat les couilles de ça. Il y a une erreur. Enfin, je sais pas, ça grésille quand je joue en fait. Et déjà, quand je lançais mon truc, ça grésillait quand j'écoutais en retour casque. Coupe le son sur Elgato. Genre, je coupe là. Là. Et si je lance. Là. Ça grésille toujours là? On n'entend plus le son du jeu, j'ai l'impression. Mais GG Jack. Mais ça ne grésille plus de ton côté. Attends, faut que je monte le son du jeu ici alors. Ça grésille plus, ok, merci. Merci Jack. GG à toi. Mais du coup, vous entendez fort les jeux d'ambiance. T'entends fort les trucs d'ambiance? Merci réparateur de surface. Faudra que tu le fasses le jeu là, Jack. Il est gratuit en plus avec le PS Plus, j'ai vu. Monte un peu le son. Mais ouais, c'est ça le problème. Attends, je sais pas comment monte le son après moi. J'ai mis le son à fond du jeu là. J'ai mis le son à fond, je sais pas comment faire d'autre. Je sais pas. Coucou Adeline! Tu viens de faire peur? Non mais attends, je sais vraiment pas comment monter mon son par contre. Baisse un peu ton micro. Attends. Là je baisse, je baisse, je baisse, je baisse. Là c'est bon mon micro? J'ai baissé, hein? Non? Vous êtes compliqués. Là c'est bon? Attention, un truc. Là, c'est bon ou pas? Ça va, je fais mes petits réglages, hein. Un peu plus, mais si je remonte, ça sera à fond. Là, c'est à fond, là, hein. Là, c'est à fond. Là, je baisse 1, 2. Là, j'ai baissé de 2. C'est mieux comme ça? Là? Ok. Bon. Dis si j'ai peur, tu prends la manette et tu joues à ma place. Allez! Ok, c'est bon. Bon. Ok. Bon, allez. On y va. On va la sortir de là. Allez, regardez-moi là, comment je me balance sans mon truc. Allez. Voilà. Ah oui, c'est vrai, normalement. Elle... Ah oui, c'est vrai, c'est Mike qui est là! Merci Angel. Allez hop, on coupe. Allez hop, 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 hop. Voilà. Encore hop, 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 hop. Voilà. Elle est toute sale. Ouais, toujours en serviette, hein. C'est la meilleure serviette, hein. Salut Didou. Ça va toi? Vous entendez bien le jeu? Je vais lui dire, attends, est-ce qu'on est plus de... On est curieuse qu'il soit arrivé là ou alors on est genre plutôt choqué? Bah ça va et toi Didou? Je mets quoi? Je mets... On est curieuse ou choquée? Je mettrais quoi toi? Curieuse? Vas-y. Je comprends pas comment t'es arrivé. Comment tu m'as trouvé? J'ai un putain de psychopathe ici dans la montagne. Ouais, j'ai remarqué. Évitons ce grand. Ok, merci Lil. J'étais en bas à essayer de sortir, puis il y avait cette grille et je t'ai vu. Il est trop beau le jeu. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré. D'énormes... Oh bordel. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Il y a une porte là.
peux l'ouvrir de ton côté. Bon, vas-y. Mise à jour du statut, ok. Mais il n'y a pas des vêtements là-dedans, t'as pas envie de t'habiller, frère. Prends son sac à dos avec sa serviette. Vous imaginez? Bah, ses pieds dégueu. Merci Zora pour ton 8e mois d'abonnement. Merci GG. Ok, bon, allez, on avance. Merci Lucas pour ton niveau 3 en 16e mois. Merci beaucoup. Attendez, il y a deux portes. Je vais essayer celle-là. Ah. Ça grésille dans mon truc là. Ouais, le jeu il est trop beau. R2. Et hop. Mais j'ai des grésillements moi. J'ai des grésillements. Ça grésille dans mon casque. Putain, tu fais peur à voir. Sympa, toi aussi. Mais y'a que chez moi que ça grésille ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, après réflexion, la serviette c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Et ça grésille, frère. Mike, tu permets? Bon bah tant mieux si ça grésille pas pour vous. Oui, pardon. Je sais pas du tout. Il a envie de regarder, hein. Ouais, et. Non, je vous jure, chez moi ça grésille en fait. Si ça grésille pas pour vous, tant mieux. Entièrement d'accord. Voilà, enfin habillé. Ouh. C'est quelqu'un qui pleure. Allez, on pousse. Faudra que tu le fasses aussi, Angel. Je le savais déjà, mais bon, je vais faire genre que je suis choquée. Oh, c'était lui tout ce temps. Non, elle est encore en vie. Oh putain. Oh, mais non. Mais ça grésille là. Putain, ça me rend fou, frère. Merde. Oh non, elle est encore là. Merde. Ah non, je suis pas blonde, hein. Bordel. Salut, Clash. Oh. Ok. Ouais, toujours là, hein. Regardez, je me balance. Non, je vous jure, ça grésille de ouf chez moi. Je sais pas pourquoi. Vas-y, vas-y, Jack. Regardez, c'est trop cool. Bah, je l'ai eu, hein. Bah non, je suis pas blonde. D'accord. Ça grésille trop là, moi ça me rend fou. C'est PS5 qui est relié au PC quoi. Pourquoi ça? Mais il est gratuit sur PlayStation Plus. Ouais, ça grésille hein. Oui, Drax. Depuis mon anniversaire. Ça grésille de ouf, hein, on est d'accord. Je vais chercher le problème. Comment ça s'appelle? Quel gâteau? Ouais, 60.
Est-ce qu'il réside? Tu peux voir que vite fait. Ouais, si tu veux, ouais. Apparemment, ça dit j'ai. Apparemment, c'est que j'ai mis trop de son. Ouais. Ouais, allô, ça va? Ça va et toi? Ça va, ouais. Je coupe le stream, tac. Genre, toi aussi, t'entends grésiller ou c'est que sur le stream? Ben, les deux. Moi, j'entends que ça grésille, et eux aussi. Mais comment tu récupères le son du HD machin? Quoi? T'as dit quoi? J'ai pas compris. Comment tu récupères le son? Comment je récupère, c'est-à-dire, ben... T'as mis genre écouter ses périphériques dans les trucs de paramètres son du PC. Moi, j'avais regardé une vidéo sur ça. C'est dans enregistrement. Ben, en fait, là, tu me parles chinois, hein, je comprends rien. Comment t'as récupéré le son de la play? Genre, il vient d'où? du son de capture d'Elgato. Moi, je suis passé par ailleurs. Hein. Moi, j'ai pas fait comme ça. Mais Je avant, vous je faisais jure. ça allait très bien. Mais t'essaies de baisser le son Mais sur la si je le play. baisse, ça... hein? Et du coup, ça sature. Genre, à Mais la ouais, fin, mais nous, sur le après, stream, j'ai. c'était pas grésillé. Toi, sur C'est juste la saturation. ton. Pas le game capture, on est d'accord? Ouais. Toi, ton son, il a combien, ton son du jeu? Parce que c'est peut-être ça, je sais pas. Tu rebaisses ou sur la Oh, j'en play? sais rien. Écoute, je comprends rien. Tu rebaisses, je l'ai mis à moins 9, 0 dB. Le truc gâteau machin. Je l'ai baissé un peu. Je sais pas Et la parce play, j'ai que. pas touché. Hein. Ben, la. Play, peut-être si je fais. Attends. Peut-être si je fais. À 47. Allez, je mets à. Je sais pas, 35. De base, je crois que c'était à 35. Que je vais dans les paramètres. Je crois que j'avais changé l'audio. Voilà, dialogue. Et je monte. Hop, musique. Effet sonore. Et je sais pas si ça va changer quelque chose. Lecture. On va voir, attends. Propriété. Ah oui, c'est là. Mais on Regarde, entend quand même rien. va dans tes paramètres son en bas à droite. Tu vois le logo son là, en bas à droite de Windows. À droite de la connexion. Oui. Fais clic droit, son. Va dans enregistrement, en haut. Enregistrement. Cherche interface audio numérique Game Capture HD 60. Un boîtier. Dans enregistrement? Ouais. Tu m'as dit quoi, interface? Interface audio numérique. Moi j'ai Game Capture Ah HD ouais, c'est 60 un... audio C'est ça. et il est Fais en clic défaut. droit propriété. Et droit propriété. Écoutez. Écoutez. Est-ce que c'est coché? Écoutez Non. ce périphérique. Coche. Ok. Et j'applique? Ouais. Ok, ça change quoi? J'entends deux fois le jeu, non? Normalement c'est bon. Hein. Quoi? Moi j'ai fait comme ça. Hein. Bah ouais. Sais pas, Essaye. dites-moi si ça grésille là, normalement vous entendez le son, les gars. Attends, je laisse ça de côté parce qu'après pour le retirer. Vous entendez bien? Ok, ils me disent que ça grésille pas, mais. Ils entendent bien. Salut Kiki. C'est bon pour vous? Ça a l'air d'être good, hein, écoute. Encore une masterclass de Jack, merci. Renseigner sur le sujet. Ok. T'inquiète. sais pas, moi avant ça allait très bien. Attendez, je lance le jeu, dites-moi si ça grésille là ou pas. Oh merde! Ah, ça a fort par contre! $600 dans le vent! Et après, tu peux J'espère que ça baisser vaut le sur coup, OBS. j'étais superbe dans ce haut! En tout cas, pour moi, c'est bon. Voilà! Bon stream. Oui, là c'est le Ça, c'est feu qui cool! crépite, hein, les gars aussi! Ok, attendez, je vais juste baisser les paramètres de son ici. Audio. Hop. Hop.
Oh, par contre, j'ai mis 10 minutes à écrire un message parce que plus tard, c'est bannoir de ta chaîne. Bah, je savais même pas, frère, tu m'apprends des trucs. Là, c'est toujours fort, hein, non? Mais baisse sur OBS, la sortie audio. Moi, je touche pas à tout ça, Jack, parce que je suis une connasse et je vais faire une merde. Tiens, la barre, juste descend un peu. La barre, là. Audio. Table de mixage. Non, t'inquiète. Attends, audio? Table de mixage? Ouais, t'as le son, quoi. Baisse un peu. Je sais pas, moi, tout est au même niveau. Tout est à 0.0, quoi. Hein? Non, j'ai mon casque, il est à moins 7. Audio, 0. Et vidéo capture, c'est muté. Je l'ai muté de mon stream. Ouais. Mais là, je crois que c'est bon. Attends, je vais voir. C'est bon, là. Là, ouais, je pense que c'est bon, le son, non? Ouais, c'est bon. Non, je dois baisser. Je peux pas baisser sur la Go XLR. De toute façon, il suffit que je remonte mon micro et voilà. Hein. Ouais, tu me montes le micro et c'est bon. C'est bon, là, pour vous, les gars? Là, c'est good, ok, voilà. Ben, là, c'est bon. Ah, c'est nickel. Ben, vas-y, ben, merci, hein. Vas-y, à beau gameplay, à vous, et bon jeu. Vas-y, merci, j'ai hâte que tu le fasses aussi. Vas-y, à plus. Vas-y. Merci encore. Trop gentil, merci. Trop gentil. On dit merci Jay qui nous a aidé là. Vous m'entendez bien par rapport au son du jeu et tout? Merci à Jay qui le dev. Nanana nanana. Ok, parfait, ben on y va, allez, hein, c'est parti. Go se chier dessus. C'est bon, Natou, t'es là? Ok, on y va. Ah, j'aime pas. Oh. Tu veux pas prendre la manette parce que j'ai peur des bruits. Ok, bon, bah ça va, j'y vais toute seule. C'est trop bien fait. Ouah. Mais ça va fort dans mes oreilles. Attends, je baisse un peu de mon côté. Parce que j'ai peur. Allez, on y va. Attends, parce que je gère mon bâton, là. Pourquoi je regarde en l'air? Surface. Là, ouais, je sais pas passer. Ah, il y a un truc, là, je peux regarder. Ok. Je me rappelle plus trop à partir de ce moment-là. J'ai pas confiance. Salut Logan. J'aime pas. Hein. Derrière toi, derrière moi, il y a Natou. Et il y a le chat aussi, Paco, il fait dodo. Re-glitch. Mais je sais rien faire en fait, à part regarder les trucs là. Mais en vrai, Didou, il y a plein de jeux avec le PS Plus, j'ai vu. Angel, t'es là? Angel, si t'es là, dis-le moi. Hein. Non, parce que j'ai vu qu'il y avait Resident Evil 7. Essayer de le télécharger, mais... j'ai encore ma PS4, mais je suis PS5. C'est quoi ça? Ah, ça allait fort dans mes oreilles là. Comment elle marche, frère? Salut Alkenas.
Et mais ici, c'était pas l'endroit où... Comment elle s'appelle, là? Je l'aime bien, en plus. Regarde s'il n'y a pas des trucs hein, autour. Mais c'est parce que j'ai mal à la gorge, ça me fait crever, putain. Oh putain. C'est bon, je suis prête. Ah mais moi aussi j'ai eu peur, hein. Déjà la musique, écoute, il va y avoir un truc, Nat. Là, il y a un truc. Je sais pas. Je trouve un indice. Non, mais je sais que Resident Evil, j'arriverai pas à... Vas-y, je prends l'ascenseur. Salut, Hopi. J'ai pas confiance, hein. Ouh, j'ai pas confiance. Ah, super. Ça va pas. Oh, fais chier, putain. Là. Là. Faut que j'aille là. Ben, moi, j'ai peur. C'est chacun sa tolérance après, hein. Allez, monte. C'est pas grave, c'est qu'Emily, hein. Pas grave, c'est Emily. Ah, on... Hop là. Oh. J'ai pas eu peur. C'est glauque, hein. Pas trop fan de la déco. Pas du tout l'ambiance. Attends, je vois rien. Il va y avoir un truc qui va arriver devant ma gueule. Je sais plus. Pas bien. Aidez. Elle a... Regardez là. Mais genre... Regardez comment elle marche. Regardez sa tête. Trop marrant. Il n'y a pas un truc. Ah là, il y a un truc là, attends. Oh, merci Alkenos pour les subs offerts et Big Up à la Guadeloupe. Merci beaucoup pour les deux subs offerts. C'est trop gentil. Merci. Ça me fait regarder des trucs, y a rien dessus. Là, ici. Ah! C'est quoi? C'est quoi? Étrange. Bah, c'est quoi? Étrange. Bah, vous voyez, c'est quoi? Parce que moi, je vois pas c'est quoi. Hein. Une boîte. Hop. Il y a un truc qui va me sauter à la gueule, c'est sûr. Oh. C'est qui? Par contre, je sais pas c'est qui.
Notre Billy revient vite chez nous, sain et sauf, de ta tendre épouse et de ta fille, Agnès et Louise. Ah, c'est sûrement un mineur. Travailler là, quoi. Tous ceux qui sont morts dans la mine, je sais plus quoi, là. Là, j'ai regardé, ok, j'ai tout regardé. Ah, purée, Lorraine. Oh! Je veux jouer? Il faut juste grimper là, je pense qu'il n'y a rien au-dessus, t'inquiète. Salut Foxy! Trop mignon, ça va et toi? C'est fort quand même. Bah oui, c'est... dis-toi dans mes oreilles, c'est fort aussi hein. Dès que ça crie là, j'ai l'impression que ça crie vraiment derrière moi. Va falloir que j'y aille hein. Let's go. Vas-y, je grimpe hein, je vais pas faire la folle à sauter partout. Bon, carré. Vous avez vu toujours les touches atteindre là. Triangle. Rond. Carré. Je vais louper. D'accord. Allez, on y va. Il y a un truc au-dessus qui m'attend, hein. Ah ça va, y'a rien là. Non, malheureusement non, j'aurais préféré mais non. Vivement qu'on finisse... Qu'on finisse les deux chapitres, hein. Moi je suis pas bien. Hein. Didou qui t'attend. Là, pour l'instant, j'ai zéro... attendez, on avait combien de morts? Je pense que j'ai tué personne, hein. Ah si, Jessica, je crois. Bonsoir, William, ça va? Je crois que j'ai Jessica. J'ai tué qui, là-haut, si tu te rappelles? Le choix. Mais j'ai tué qui? Mais non, il était là, t'as pas vu qu'il y avait Josh? J'aime pas, hein. Ah super, j'ai plus de batterie. Allez, putain de merde. Non, je crois que j'ai juste Jessica comme morte. Salut Gogo, comment tu vas? Oh my god, is this Ken Flash? Non mais j'ai... Oh my god, are you Ken Flash? Are you mad? C'est les dragons qui crachent du feu. C'est qui Jessica? C'était la meuf de Mike. Prends du feu là. Ah regardez, il y a ma torche. Coucou Palmito. Ok. Tout ça pour arriver ici. Attends, tout ça pour... Je sais pas si c'était un bon délire de remettre le... C'était un bon délire de remettre le courant. C'est un de mes jeux préférés, mais il me fait vraiment peur. Je préfère regarder les gens le faire en fait. Ok. Pourquoi la musique elle change? Je n'aime pas ça. Un totem. Merci Babylone pour ton 13e mois. Comment tu vas? Allez, qu'est-ce que je vais voir? Encore un totem de la mort, de toute façon, j'ai fait que de la merde, je crois. What?
Totem du danger. J'ai plus envie de faire le jeu. Ça te fait rire, connasse. Je suis pas bien. Regarde, j'ai une larme aux yeux. Tu as commencé, tu continues. Et toi, t'as jamais fini Resident Evil et t'oses me dire ça? T'as jamais fini Resident Evil et t'oses me dire ça? Non mais t'as même pas fini Man of Medan et t'oses me dire ça? T'inquiète. Mais c'est trop bien fait. Et Angel, je t'ai dit, sur PS4, il y a Resident Evil 7. Donc tu pourras faire le 7 sur PS4. T'as vu comme c'est bien? J'ai pensé à toi directement. Je me suis dit, bah Angel, elle pourra le faire. Genre, elle a mal et là, elle court. Ok. Comment tu veux que je monte? C'est impossible. Mais c'est impossible. Bah, ça glisse, hein. Merde. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, il y a plusieurs trucs. C'est quoi, encore un totem? Ah, des lunettes. Oh putain, c'est les lunettes de truc, là, la sœur, là. Comment elle s'appelle, je sais plus. Anna. Ouais, voilà, Anna. Je vais voir un truc qui fait peur, là. Non, ça va. Peut-être là. Marc trouvé sur le rocher. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie quoi? Des jours qui sont à compter? Attends, ça veut dire que donc elles étaient pas totalement mortes? Ah ah. Je fais plus le GTA. Ça se voit, non? C'est une date. Ouais, mais je sais pas la date de quoi. Charmant. Danger, c'est mon putain de surnom. Bah, c'est pas un surnom. Mais attends, mais je dois faire quoi? Comment je me casse d'ici, moi? Oh, c'est Anna! Quand est-ce que tu t'en fais un, Beth? Oui, c'est son tatouage sur le bras, là, le papillon. Ouais, c'était exactement il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, les sœurs, elles sont tombées. Donc, est-ce qu'elles étaient vraiment mortes? Attends, mais je viens d'ici, non? La musique! C'est quoi ça? Du sang? Quoi? Tu te rappelles de ça, toi? Moi non plus. Ouais, je l'ai déjà fait 2-3 fois le jeu, je crois. Mais ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus. Et j'avais joué toute seule, hein. Ah, c'est pas passé, ok. Bisous Alkenos, merci beaucoup pour les sub-offers encore. Ouais, il est trop bien le jeu. Mais là, je viens d'ici. Ah non, non, je viens pas d'ici, non. Il se passe des choses bizarres hein, là-bas. F6, tu stresses avec moi là?
Attends, je suis allée voir ce qu'il y avait là. S'il y a un truc en plus. Ou alors je viens de là. Je crois pas, hein. Regarde, il y a un truc là. C'est une bague. Ah non, c'est un pendentif. C'est un pendentif, enfin, c'est un collier, un truc d'un collier. Et quoi, je peux pas l'ouvrir? Ah. Oh non. Elle était ici. C'est trop triste. Moi, je fouille tout, on sait jamais, hein. C'est quoi, ça? Oula. 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 Oh, mon Dieu. Des frissons. Oh, non. Laisse Angel tranquille, donc. Putain, c'est tellement rouillé. J'espère que t'es vacciné contre le tétanos. Attends, il y a. Allez, vas-y. Maintenant, il fonctionne. Hein. C'est bon, je me casse. Vas-y. Oh, allez, paye-toi. Il va y avoir un truc, hein. Ah, je sais plus, je me rappelle pas. Non. Quelle merguez. J'aime pas les trucs où il faut pas respirer. On vient ici. Hop là, hop là. Allez. Voilà. Merci Gibrox pour le 20e mois, merci beaucoup. GG. Merci. Mais les alertes, ça me fait peur dans les moments ainsi. Je vais encore devoir pas bouger, je vais poser ma manette. Oh. Oh. Bonjour. Josh. Josh. Le rire. Josh. Bien sorti, bien. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, ouf, Yoenzo. Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles. Non. Parce qu'elles sont mortes. Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là. C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum, 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 boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste de toute cette panique. On dirait sa sœur, en plus, le truc-là. C'est le seul, le pire. Yo, Minilu. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir ma tête. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs.
Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? Ah, donc elle est morte. T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Oh non, hey, putain. Eh hey, les gars, sérieusement, c'est... Je commence à pas aimer où j'arrive. La ferme. Pourquoi tu l'as frappé? Hein? Pourquoi tu l'as frappé, putain? Oh. Mais enfin, de quoi tu parles? Mais arrêtez. Ça leur dure. Oh, je suis devenu dingue. On frappe pas une fille. Ça se fait pas. Chris, sérieux, mon pote. Chris, je suis pas ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, mon pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Ma gueule. Ah, mais moi j'aime pas les violences. Voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Vas-y, en vrai, juste fais-le taire. Franchement, tu ferais mieux de la fermer. Coucou, Inevox. Hé, hey, s'il te plaît, mon pote, on est partenaires. Arrête de dire ça. Joue au con. Tu veux voir les choses comme tu veux les voir. Tu es... Ferme-la, femme. Tu es... Oh putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour. Oh, pardon, je t'ai fait mal. Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement désolé. Arrête. Stop. Mike. Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça. On va juste être agressif. Mais ferme-la, Josh. Tu pourras pas t'en sortir comme ça, putain. Ok, on peut passer à autre chose. Ouh là là, ça va pas du tout, hein. Putain. Plaisante pas. C'est pas juste. Non. Ça devait pas du tout se passer comme ça. Chris, c'est sûr, je vais le tuer, j'arrive jamais à l'avoir en vie. Donc vous pouvez pas partir. Vous pouvez pas me laisser crever ici. Hein? Salut, mais... C'est pas comme si... Comment tu vas? Le cran de le faire pour de vrai, de toute façon. Stop. Ouais, je suis fatiguée. On va dire toujours, on va rester agressif. Vraiment que tu la fermes, mec. Ouais, même si c'est pas super agressif. Oh, c'est... Ben, c'est lui, hein, qui l'a. Je veux dire, je sais même pas ce que tu veux dire, hein, parce que... T'as lu l'accro. Ça va? Oh là là. Mais ça sert à rien de le punir comme ça parce qu'il est malade en fait. Bouge pas, mec. Ouais, très bien, mais. Tu peux pas les attacher si tu chicotes comme ça. Josh, sérieux. Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu quand même, hein. Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, j'y arrive, ok. Moi, j'y arrive, je peux. Ah, merci, salut Darmin, ça va et toi? Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai... Ouais, il est en train de disjoncter. Oh là là. Ils sont tous débiles. Ils sont tous débiles. Chris et Ash. Chris est un lâche. Ashley est une idiote.
idiote. Coucou Lilian. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais idiot, idiot. C'est quoi ton problème? Oh, Ashley. Oh. C'est lui aussi, Didou. Celui qui fait Mister Robot et tout aussi. Je n'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais. Stop. Et tu connais ce bruit? Ouais, il est schizo. Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard. Oh. Stop. Ouais, tu sais. Stop. Tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike. Bah ouais, au moins lui, il en a sous la ceinture, tu sais. Elle devrait, mais oh. Ça. T'es vraiment pathétique, Christopher. Je vais lui arracher la tête. Non, l'écoute pas. Laisse tomber. Hey Mike. Quoi? Si on parlait de Jace, Mike. C'est les points sensibles. Non. C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jace. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Non. Désarmé. Non, faut pas de faire de bêtises. Quoi? Tu pensais vraiment que j'allais le tuer? Je sais pas. Mais enfin, Chris, tu me connais bien mieux que ça. Ouais, Chris, tu me connais bien mieux que ça, non? La prochaine fois, préviens-moi avant, d'accord? Oh, ils sont trop mignons! Il est fou! Ils arrivent même pas à jouer aux flics correctement! Laissez faire les pros, les mecs! Tu devrais aller au chalet, pour t'assurer que tout va bien. C'est taré et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Oh, c'est la fête! Eh, on commande des pizzas? T'es sûr que ça va? Ouais, ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. À demain matin. Ah là, on arrive... j'ai fini encore un chapitre, là. Yes! Il me reste plus qu'à faire. Josh? Josh! Ça vous a plu d'être terrorisé? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non! Parce qu'elles sont mortes! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Si on parlait de Jace, Mike... Yurish! Tu n'as pas à avoir tué Jace. Putain. Oh, putain. Et dire qu'on croyait qu'on l'avait tué, Emily. Ok, 8. Il y a bien 10 chapitres, hein. Il y a bien 10 chapitres. Attendez, je vais regarder. Until Dawn, chapitre... Ouais, il y en a bien 10. Ok, ça va. Donc on en fait, on termine ici le 8 et comme ça il nous restera le 9 et le 10. Le 8. Oula. Ah, mais tu... Quoi? Oh, merde. Voilà, Emily, on est dans les mines, il est 4h01 du matin. D'accord. Super. Oh la vache. Ok. Ça se trouve, je vais tous les tuer, hein. On sait pas, hein. Je dois aller par... Attends, mais je vais quand même vérifier où je suis arrivée, s'il n'y a pas de petits indices. Ah, là, il y a un truc qui illumine. Ah, en fait, il y a plusieurs endroits. Cette partie de la mine a récemment subi... Attendez, il y en a une
Comment elle s'appelle? C'est Danae, la meuf qui raconte les histoires qui fait peur, qui font peur là, sur YouTube. Cette partie de la mine a récemment subi un effondrement majeur. Tu sais, elle parle comme ça, là! Veuillez contacter contre-maître Ashtanner. Consultez la carte 7A3 pour des plus amples informations. Tu vois, si vous avez déjà regardé ces creepypastas... Ah, mais j'ai même pas eu le temps de fouiller! Tu vois, c'est qui, Darmin? Parce qu'elle parle comme ça, mais c'est... Vraiment, c'est... Moi, j'aime bien, après, hein, mais... C'est son style, quoi. Elle parle un peu comme ça. Les histoires font toujours peur. Histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Attends. T'as un totem? Mais après, j'ai peur qu'à chaque fois, ça me dit que je vais mourir. Allez, go pour un totem de la mort, c'est parti! Totem de chance, ça va pour l'instant, j'ai danger et chance. Sauf que je comprends jamais les totems, mais c'est pas grave. Il y a des chauves-souris hein, par ici. Grave envie de chanter un petit Céline Dion. Il veut sortir. Mais peut-être qu'il doit faire pipi, hein. Ah, ok. Mais tu restes? Ok. C'est pas parce que j'ai peur, hein. C'est parce que... On est bien à deux. Je parle pas toute seule, hein. Ma petite sœur avec moi. Salut, Jouette, comment tu vas? Sous le vent, et si tu crois que c'est fini. La musique, la musica. Il y a un truc là. Okay. Ah, je dois me faufiler. Ça doit être le chemin. Pff, allez, on y va. Ah! Triangle. Triangle, carré. Il est con. On va à droite, je sais pas, je m'en vais. Putain, j'ai... Oh, moi aussi. Attendez, je suis pas bien. Oh putain, mon cœur, il a failli... Pouh, j'étais à fond en plus, c'était vraiment... C'était dedans, quoi. Oh... Purée, je suis désolée, j'ai eu... peur aussi, salut, mais tu dis... Pouh, c'est parti. Allez, vite, 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 vite! Putain. Ok, ok, reprends-toi, elle. Merde. Oh non, oh non. Oh non. Oh putain.
Un flûte. Merci pour l'abonnement offert à Natou. Natou, on t'a offert un abonnement. On t'entend pas, dis plus fort. Elle a dit merci. Ah, c'est un anonyme. Hein. Je sais pas c'est qui t'a offert. Merci. Ça va et vous? J'ai peur, hein, les gars. Je suis pas bien, mais bon, vas-y, on y va. Hein. Ça s'entend ma voix que je suis pas bien. Pouh, quel stress. Hein. Moi, j'aime pas ça. Je suis pas bien, Stella. Oh merde, quoi encore? Ouvre-moi, ouvre-moi! Ouvre-lui, vite! Dans la porte, putain! Dans la porte! Est-ce que ça va? Je pensais pas m'en sortir. Encore une Lucie! Est-ce que ça va? Tout retourner. Assieds-toi. J'avais un truc là-bas. Vous êtes séparés? Un monstre, c'est attends. Un monstre. Mais les Lucie, vos mamans, elles étaient toutes fans de Pascal Obispo. Y a... Putain, je crois que je compte tellement de Lucie que... Je sais pas, mais... Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de Lucie ici. Inquiet. Attends, non, quand même un monstre, on s'en fout, attends. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai dit que j'ai vu un truc. Qu'est-ce là-bas. Que c'est? Ash, du calme, c'était Josh, tout est de sa faute. Non, écoutez. On l'a ligoté, il te fera pas de mal. Non, ça m'a suivi et ça n'avait rien d'humain. Attends. Que s'est-il passé? Ouais, c'est vrai, il est où Matt? Oh! Attends, j'ai tué Matt aussi ou quoi? Je vais expliquer. La tour est tombée. Pendant qu'on l'escaladait et elle s'est écroulée directement dans les mines. Oh là, oh là. Quelle mine? Il y a des mines sous nos pieds, des galeries partout, et c'est là qu'on a atterri quand la tour est tombée. Comment ça, quand la tour est tombée? Comment ça tombée? Je marchais lentement dans les mines, il faisait noir, et j'ai trouvé ce truc avec... Pascal Obispo. J'ai trouvé la tête de Bess. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? T'es sérieuse, là? Mais oui, je suis sérieuse. Je crois qu'elles sont tombées. Oh, putain de merde. Et le pire dans tout ça, c'est que je crois que... Anna n'est pas morte tout de suite. Hein, quoi? Comment ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est restée en bas, crevant de faim pendant des semaines. Quand nous, on la cherchait en haut, on savait pas. Putain, c'est horrible. Ah ben, félicitations. Non, dans la tour, il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em. Non. T'as réussi. Oh putain, ouais, Mike. Et Matt, alors? On essaie de le découvrir. Et puis, il y a ce monstre qui la poursuivait. Elle a vraiment pas l'air bien. Émilie, M. J'ai mal à la gorge, hein. Oh. Crier comme ça, là. Ça peut être bordel. C'est qui? C'est vrai, c'est qui? C'est pas Jess. Oh non, c'est qui? Mais c'est qui? Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Il me manque Jessica, là. Jessica, elle est morte. Ah, fait chier. Et Matt aussi, Matt il est pas là. Vas-y, je vais couvrir la porte. Ok. Je vais ouvrir la porte, t'es prêt? Ah, ouvrir, j'avais t'es compris, couvrir, ok. Bon, vas-y, qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue? Non, non, arrête, ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. Ok, allez. On se calme, monsieur. Stop. Ah, putain. Oh. Ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok. Maintenant, tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez, vite. Je vais vous... Mes persos préférés, c'est Sam et Mike. C'est mes persos favoris. Expliquez ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sur cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Bess? Ouais, vous êtes pas censé être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable... Vous baissez d'un ton tout de suite.
J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne? Mmh. Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Mmh. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus aux Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et c'est quoi un Wendigo? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Ah, je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Mike. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Oh, je sais pas si je vais y arriver, hein, Lucie. Mais merci pour les 100 bytes, Anonymous. Ok, descendez tous. C'est qui? Et attendez. Quoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Merci. Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu elle crier. Où est-ce que tu l'as laissé? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non. C'est impossible. On est avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Je vais aller le chercher. Faut pas que t'ailles dehors, Chris. Je suis censé être son meilleur pote et je l'ai laissé tomber. Non, il t'a laissé tomber, Chris. Comme nous tous. Je m'en fous, je retourne le chercher. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre... Oh putain, je vais tuer Chris. C'est le moment où je vais tuer Chris. C'est le moment où je vais le tuer. Okay. Quant à vous autres, descendez au sous-sol. Oh non. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenu. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Ah, je vais foirer, putain. Je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair? Oui, je crois. Reste bien derrière moi et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi? Comment vous savez ça? Je le sais, c'est tout. Chris, fais attention. Allez, faut qu'on se dépêche, mon gars. On se revoit vite. Oh. Dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que... Je l'ai marré mal. Fais juste attention. Et suis-moi de près. Donc... Allez, on y va. Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas? Je vais rater, donc dites au revoir à Chris, hein, parce que j'arrive jamais à le tenir en vie. Voilà, dites-lui au revoir. Au besoin. Leur peau est dure, dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire? Ouais. Ce n'est qu'un au revoir, cher Chris, ce n'est... Bien au revoir. Comme par exemple, une sorte de programme. Eh bien, ils ne chassent que la nuit. Oh. Pourquoi? Merci au cri-cri fidèle, on te dit bien au revoir. Y'a pas un guide du Wendigo? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur? Non, ça marchera pas. Y'a vraiment rien d'autre? Ouais, ça avance, hein. Putain, là, la musique. Basé sur les mouvements dans leur champ. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire.
Sauf en dernier recours, évidemment. Mais... Si ces choses... les Wendigo sont ou étaient humains, est-ce qu'ils ont encore une part d'humanité? Ah, ça me gave. Ils se souviennent de certaines choses. Je veux dire, est-ce qu'on devrait vraiment les tuer? Peut-être qu'on peut les soigner. Ok, désolé. L'humanité est partie dès qu'ils se sont mangés entre eux. Il n'y a pas de remède et il n'y a pas de rédemption. Enfin, s'ils sont encore humains, on ne peut pas leur faire du mal. Quand on a un juste devant toi, c'est lui ou toi. Toi, tu peux toujours l'épargner. Mais lui te laissera aucune chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Je suis pas bien là. Je suis pas bien. Ensuite, il t'égorge. Je suis pas bien. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie. Ah, je suis pas bien. Pour dévorer des organes. J'ai mal au ventre. Après les autres. Rentrons alors. Oui. Allons-y. Au revoir, Chris. C'est sûrement pas loin. Au revoir. Il va exploser. J'ai réussi. Oh putain. Oh non. Putain, mon cœur, il a failli sortir. Qu'est-ce qui a pris autant de temps? C'est pas terrible là-haut maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance? Merci. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, elle l'a déchiqueté juste sous mes yeux. Oh, putain. Merci, Logan. Pas d'autre porte? Non. T'en es sûr? Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais. Emballés comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily? Ouais, enfin, j'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh? Encore un de ces sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors... on est dans la merde.
Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça? C'est le sac du vieux. C'est une carte? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. Bah il est mort. C'est quoi cet endroit? Oh bordel. Attends, hein, qu'est-ce que c'est? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux? Il y a eu un éboulement dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. Oh la vache. Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ses plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé cette chaise. Avec du sang séché partout, comme si on avait torturé quelqu'un. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M? M, c'est quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? H. M. C'est rien, c'est... Ah, non, c'est ma mordue et... Juste mordue? Qui a fait ça? Le Wendigo. Le quoi? C'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien? Merde. Ça fait même plus mal, vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment? Oui. Amy, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a... Bonsoir, mordu, Dark. Tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Oh, mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, c'est pas vrai. Hop là, la drama queen. Quoi, Mike? Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes, là. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. J'aime trop Sam, trop lucide. Au revoir. Putain, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Non, tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs, alors que tu sais très bien qu'il y a Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait. Oh putain de merde, casse-toi! Dégage de là! Wow. Ok. Wow, Mike, calme-toi. Tu vas me tirer dessus. What? Mike, vraiment? Ici, c'est notre abri, M. Pitié. Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là. Non. Avec nous. Non! Arrête, ne fais pas ça! Non, je peux pas. Merde, j'y arrive pas. Non, faut pas. Tu as fait le bon choix. Espérons-le. Peut-être. Pour l'instant. Merde. Chier. Garde un œil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Ouais. Personne part. Compris? C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Oh, quel homme! Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flammes? Maintenant, on est foutus. Non, mais ça veut dire qu'on doit rester fort. On doit y arriver tout seul. Merci, Google, pour ton Prime. Merci beaucoup. Merci de m'avoir choisi pour ton Prime. Le mec est un peu dérangé. Mais j'ai même pas le temps de lire.
Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigo. Je suis le seul qui soit parvenu à les garder sous contrôle. Tenez compte de ces mots ou vous mourrez, et votre mort ne sera pas la dernière. Les Wendigo doivent rester enfermés. Le Wendigo naît à cause du cannibalisme. Lorsqu'un humain est affamé et désespéré, piégé sur la montagne dans les tempêtes hivernales. Lorsqu'il n'a rien mangé depuis des jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. Même le plus fort des hommes ne peut y résister. Il tuera sans remords, souvent d'autres compagnons qui voyageaient avec lui. Il dévora la chair, crue des cadavres. J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années. Une soif de chair inextinguible. Puis, le changement commence. Les yeux deviennent blancs et laiteux. Puis, les dents poussent, comme des crocs. La créature grandit et sa peau s'étire sur ses os. Une tribu vivait autrefois dans ces montagnes. Les creux. Il y a un sacré passif dans tout ça. Leur chaman raconte l'histoire d'une immense créature née dans la glace. La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui y vivaient. La montagne devint peu à peu sacrée pour les Crés. Et les animaux également. Les Crés croyaient que blesser un animal dans la montagne portait malheur. C'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs. En 1893, les mineurs arrivèrent. Ils trouvèrent du fer et plus tard, des traces de radium. Ils creusèrent toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée. Les Crés disent que la montagne hurla et que l'esprit fut libéré. Les yeux du Wendigo changent. Ils deviennent plus vifs, plus précis. Ça dit que comme les Wendigo ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leur proie. Pardon, petit roux au passage. Le Wendigo voit les mouvements. C'est un chasseur comme un aigle. Mais il ne perçoit pas l'immobilité. Si vous restez parfaitement immobile, alors le Wendigo ne vous verra pas. La peau et la chair des Wendigo sont dures comme une armure. Ils semblent ne pas ressentir la douleur. Ils ne peuvent pas être poignardés ou coupés. Les balles ne traverseront pas leur peau, bien qu'un fusil à pompe puisse les repousser. Comme le Wendigo a muté depuis l'humain, il sait comment nous chasser. Il peut parfaitement imiter sa proie. Vous devez rester vigilant et méthodique. J'ai tué six Wendigo. Les couteaux ou les balles sont inefficaces contre eux. Utilisez un lance-flamme, c'est la meilleure arme. Le feu les enveloppe, brûle leur peau et les affaiblit. Mais n'essayez pas de les tuer. Il ne faut tuer qu'en ultime recours. La mort libère l'esprit du Wendigo dans les airs. Je les ai contenus. J'ai utilisé des pièges pour les attraper et le feu pour les enfermer. Les pièges étaient recouverts de membres humains provenant de ceux qui n'en avaient plus besoin. Un par un, j'ai attrapé ceux qui avaient infesté la montagne. Il y a combien de pages ? Il existe quelques défenses. Leur chaman parle de rituels. J'ai trouvé des artefacts des locaux sur la montagne et les ai répliqués. Des totems, des mélanges d'herbes et de plumes. J'ai copié leurs artefacts, je les ai testés. Dehors, sur la montagne, ça fonctionne. Ils éloignent les Wendigo, pas entièrement, mais suffisamment. Mais à l'intérieur, ils ne marchent pas. Les légendes créées affirment que le Wendigo peut infecter un homme en le mordant.
mais sa morsure est sans danger. J'ai été mordu, mais je ne me suis pas transformé. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit? Ok, donc sa morsure, on sait qu'elle est safe, quoi. On va rassurer M quand même. Ça dit que... les morsures... s'ils nous mordent, c'est pas contagieux. Ça fait absolument rien. Fais-moi voir ça. Attends, tu peux répéter là? M... ça dit que t'iras bien. Ça dit quoi? Mec, t'iras bien? M'en sortir? Mike a failli me tirer dessus. Il n'a pas tiré. Et cette conne, elle a laissé faire. Hey, c'est pas vrai. Elle avait peur. C'est moi qui devrais avoir. Je suis désolée, Emily. Quelle narratrice de qualité. Merci, Glitch. Il n'y a pas d'excuse. Je t'en prie, essaie de comprendre. Mais tu vas comprendre ma main dans ta gueule, oui. Oh! Mais c'est vraiment une méchante, là. Tellement désolée. Merde. Ah, un trophée. Pas sympa, hein. C'était une claque, mon frère. Ah, oh, Joshua. On est à la fin. Oh là là, regardez comment c'est dans sa tête. Écoutez, des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs, vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysé par votre peur égoïste, alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude, hein? En fait, si vous avez compris, le psy, en gros, c'est son état mental qui se dégrade, hein. Tout ça, ce qu'on voit, c'est... quand il prend pas ses médicaments, voilà. Pourquoi leur faire du mal? Qu'est-ce qu'ils répondraient? Bah, qui t'ont fait du mal, je suppose. Ils ne vous ont pas fait de mal, pas intentionnellement. Ils ont fait une erreur stupide, et vos sœurs ont connu un sort tragique. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient, c'est arrivé, c'est tout. Et ils avaient des remords, du moins jusqu'à votre nuit de pure torture. Excuse-toi, ça manque des choses. Vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver d'un sort encore plus terrible que la mort. Voilà. Attendez, je passe en just chatting. Voilà, on arrête là pour ce soir et on garde les deux prochains. Bah. Oula. Oula. Voilà. On a une petite musique de fond. Ouais, je dis que je faisais deux trucs, il nous reste deux épisodes. Deux épisodes, ouais. Je suis restée sur la claque, tu m'étonnes. Ouais, il nous reste deux épisodes pour finir le jeu. À mon avis, je sais pas, peut-être qu'on fera ça mercredi prochain, on est mercredi là, non? Ouais, on termine mercredi prochain. J'ai rien compris à la question, Dark. Alors je voulais savoir ce qui s'est passé pour le bébé. Si t'avais suivi de mon côté, t'aurais les réponses à cette question. Oh, yeah.
Coucou Lou, merci pour ton quatrième mois, comment tu vas? Comment tu vas, bichette? Attendez, je quitte ça. Hop. Toujours du bruit. Qu'est-ce que je dois faire? Hop, applique. Voilà. Alors, je vais mettre une petite musique. Merci, merci. Mais une petite musique de fait. Là, t'as apprécié, Natou? Ok. C'est à Lucie qu'il faut demander les... Il y a pas de Anna. Non, non, il y a pas de Anna. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de persos. Hein. Donc il est temps que j'arrête le RP, ça veut dire. Voilà. Ben écoutez, je vous tiens au courant sur Discord quand je refais un live. Demain, je suis pas là. Vendredi, il y a match. Vendredi, il y a match. Pour nous. Il y a match. Donc... Comment ça, non, wesh, glitch? Comment ça, non, wesh? Ça va, tranquille, ça va? Ça se passe, le boulot et tout? Vendredi, Italie. Belgique, Italie, ouais. Mmh. Ah ouais. Je vais regarder mon pays sortir, du coup. Ah bon? C'est le seul que tu vas regarder? Ben voilà, il est 22h, les petits gars, ça... Contente, les chapitres sont passés vite, hein, comparé au premier. Je mettais 2 heures pour faire 2 chapitres, frère. Alors que je fouillais tout, hein. Voilà. Ah, c'est une agréable soirée, en tout cas. Merci d'avoir été là. Je vous tiens au courant via Discord et... Et voilà, hein, pour ceux qui sont team rediff, bah, passez une bonne rediff. Et on se retrouve. Hein. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Merci à vous, merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Bisous, bisous, bisous. Attendez, je vous mets une musique. Ça, c'est quoi? Je sais pas, j'ai mis une musique au hasard. Hein. C'est nos copyrights, hein, donc on profite. Hein. Allez, bisous. Merci pour tous les Rissav et tout, merci d'avoir été là, merci d'avoir peur avec moi, merci aussi à Natou qui était derrière moi, à Paco qui est resté un moment mais que quand j'ai crié il est parti. Bisous, passez une bonne soirée. Bisous, bisous. Part of the package.